Maintenant, on va parler de la profession comptable. Parce que sûrement, dans toute classe, il y a des gens qui désirent continuer des études, etc. Et c'est très important de connaître comment parvenir à devenir un comptable de profession. Comme toute profession libérale, donc il y a un encadrement et une réglementation qui réglemente une profession. Et au Québec, on a ce qu'on appelle Code des professions, Office des professions, Conseil interprofessionnel du Québec. Le Code des professions, c'est tout ce qui régit le système de toutes les professions ici au Québec. D'accord? Donc, l'ensemble des gens qui, des professionnels qui travaillent dans une profession bien déterminée, ils doivent respecter un code des professions. Il y a une instance qui comment dirais-je, qui est étatique, qui appartient à l'État, et qui supervise et vérifie est-ce que tout le monde respecte les normes, les codes des professions. Enfin, il y a une entité, un regroupement de tous les ordres des professions, c'est ce qu'on appelle le Conseil interprofessionnel du Québec. D'accord? Donc, lui, là, il regroupe sous son égide tous les ordres de toutes professions confondues. On a à peu près, je crois, entre 50 et 60 ordres professionnels. Dans cette profession du CPA, ce qu'on appelle le CPA, et d'ailleurs, vous allez trouver dans toutes les professions, il y a ce qu'on appelle le code de déontologie de cette profession qu'il faut respecter. Si vous ne respectez pas ce code de déontologie, soit vous serez déféré devant une comité disciplinaire, soit on va vous révoquer, radier, suspendu, ou bien juste on va vous infliger un avertissement. Donc, le code déontologique, il contient tout ce qui concerne les droits, les obligations, les devoirs, etc. Donc, même chose pour les comptables. Le code déontologique des comptables professionnels agréés, le CPA, vous savez que depuis la création, je crois, depuis 1973 jusqu'à 2012, il y avait trois ordres. Il y avait ordre des CA, ordre des comptables agréés. Il y avait ordre des CJA, comptables général accrédité, il y a l'ordre des CMA, comptables en management accrédité. Le comptable agréé, il avait le monopole de la vérification, de l'audit, etc. Il était le titre le plus convoité et le plus important. Il avait l'exclusivité de plusieurs missions. L'ordre des CMA, c'était généralement des experts comptables orientés vers tout ce qui est contrôle de gestion, comptabilité, analytique, budget, performance financière, planification, etc. Il y avait le CJA, le comptable général accrédité, qui fait de la comptabilité, mais il y a juste quelques petites missions de vérification. Et depuis 40 ans, ils ne se sont jamais entendus sur la question de fusion de ces trois ordres. Ce n'est qu'en 2012 que l'opération de la fusion a été réalisée. D'accord? Et nous avons maintenant au Québec ce qu'on appelle Ordre des CPA du Québec, CPA, comptable professionnel agréé.
Cet ordre comptable agréé, selon le dernier rapport financier présenté en septembre 2020, ben, il regroupe à peu près 40 000 membres. 40 000 membres. Et 500 futurs CPA, c'est les étudiants. Et ce nombre-là de 45 000, ben, il le classe, il le place au troisième, à la troisième place parmi les plus importants ordres professionnels au Québec. Et au moment de la fusion de l'ordre, des ordres en un seul ordre CPA Québec, pendant cinq ans, chaque CA, CJA, CMA, il va garder ce titre pendant 5 ans. Okay? Donc, il va le garder pendant 5 ans et après, on aura juste CPA. Pas de CPA, CJA, CA, CPA, CMA, CPA, CA. Maintenant, pour devenir un expert comptable, et d'ailleurs, il y a je vais vous résumer tout ça, je ne vais pas trop détailler, je vais vous envoyer cette partie-là. Donc, il y a deux cheminements, d'accord? Soit vous allez faire un programme, ce qu'on appelle, vous allez faire le programme dans une université ou bien avec l'aide, ce qu'on appelle un encadrement personnalisé effectué par l'ordre des CPA de Québec. Donc, regardez le programme universitaire. Il y a une liste des universités que vous voyez ici, autorisées par l'ordre des CPA qui a accrédité leur programme pour faire ce qu'on appelle le PFP, Programme de formation professionnelle, CPA. Si vous faites ça à l'université, à temps plein, ça va prendre entre 9 mois à 16 mois. D'accord? Si vous allez opter pour l'encadrement personnalisé effectué par l'ordre, ben, il se fait à temps partiel ou en ligne. Ce n'est pas à temps plein. Ça va prendre entre un an jusqu'à 12 ans. Quand vous terminez le programme de formation professionnelle, ben, la dernière étape, c'est d'aller passer ce qu'on appelle un examen final commun. Partout au Canada, on le fait dans la même date. Et ça se déroule en 3 jours. D'accord? Donc, j'ai dit, il y a deux parties dans le programme de formation, deux cheminements pour faire le programme de formation professionnelle. Un cheminement qui est dispensé par l'ordre et aussi le programme va le faire à l'université. Généralement, les modules, on appelle ça les modules étudiés. Il y en a des modules obligatoires et des modules au choix. Donc, pour les modules communs, par exemple, les modules communs, il y a deux cours. Il y a l'information financière. Le module information financière et le module comptabilité de management. Et dans chaque module, il y a des cours. D'accord? Par exemple, pour information financière, vous avez ici le cours information financière, intégrité, conformité, juste un cours, donc 3 crédits. Dans un crédit, il y a 45 heures de travail individuel, collectif, labo, présence, etc. Vous avez un séminaire d'analyse de cas, deux crédits, et vous avez un autre cours, rôle et mandat en comptabilité professionnelle. Donc, dans ce module-là, il y a trois cours. Une fois que vous finissez les modules communs composés par information financière, comptabilité de management, et qui comportent les deux là, et les deux modules comportent 4 cours.
Pour passer au module fonctionnel, nous avons quatre modules, il faut choisir deux. Il y a certification, la fiscalité, finance, gestion de la performance. Rappelez-vous toujours de ces deux-là, on va en parler, certification et fiscalité. Quand vous terminez ça, vous allez faire des cas pratiques comme dans l'examen, c'est dans les modules intégration. Ça, c'est ce que vous allez voir dans jour 1, jour 2, ça, on ne va pas en parler. OK, maintenant, on est arrivé à la chose la plus importante qui concerne les missions du CPA. Est-ce qu'il y a des questions sur la formation pour devenir CPA? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? On va parler qu'est-ce qu'ils font les CPA. Généralement, ce document-là, il est un document officiel de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et qui précise, donc ce document-là, il précise exactement qu'est-ce qu'il doit faire un CPA. Je ne sais pas ce que vous rappelez des deux colonnes dont je vous ai parlé, qui est la fiscalité et la vérification, bien la certification. Si vous faites ces deux modules-là et vous faites un stage chez un cabinet comptable et supervisé par un CPA qui est autorisé à faire de l'audit, ben, quand vous allez terminer, il y a des nombres d'heures de mission et de certification. Quand vous allez terminer, vous aurez ce qu'on appelle le titre de CPA auditeur. OK? Attendez, je vais vous chercher une autre chose. Regardez cette carte d'affaires. Cette carte d'affaires, vous allez voir en bas ici le nom du CPA et vous avez auditeur. CPA auditeur. Ce CPA, il a le droit de faire de la comptabilité, de faire tout ce qui concerne finance, comptabilité, etc. Et surtout, la certification des états financiers après avoir entamer et finir une mission d'audit. D'accord? C'est quoi la différence entre CPA tout court et CPA auditeur? Je vais vous dire c'est quoi la différence, ce ne sera pas long. Regardez par exemple. Cette photo-là, cette petite carte. Donc, M. François Lacoste, il y a juste CPA. Il n'y a pas CPA auditeur. D'accord? Regardez ce qu'il a mis comme tâche, état financier, tenue de livre, démarrage des PME, des petites et moyennes entreprises, impôts société, impôts particuliers. Alors que l'autre qu'on a vu tout à l'heure, il a mis auditeur, vérification, etc. OK? Donc, c'est quoi la différence? Regardez la différence, c'est que le CPA, pour qu'il porte le titre CPA auditeur, il y a deux choses. Quand il va terminer la formation, il va réussir l'examen final, commun final. Il doit faire ce qu'on appelle
Il va avoir aussi un cours qu'on appelle comptabilité publique. Et dans le stage, il faut qu'il soit supervisé par un CPA auditeur. Il faut qu'il accumule un nombre total bien précis d'heures en mission de certification ou bien en mission d'examen. Quand on va terminer, ben, il va porter le titre de CPA auditeur. Si le CPA, dans les modules optionnels, il a choisi certification et fiscalité, ben, il ne va pas faire le cours de comptabilité publique. Ben, il va juste faire le stage supervisé par un CPA auditeur et à la fin, ben, il aura son titre. Les autres, ils n'ont pas le droit de faire, même s'ils sont des CPA, ils n'ont pas le droit de faire la vérification. Ils ont le droit de faire juste mission d'examen et mission de compilation. Mission d'examen, c'est vous allez prendre les pièces justificatives pour vérifier des informations, les procédures, etc. Mais vous n'allez pas approfondir les choses et vous n'allez pas émettre une opinion. Est-ce que c'est reflète l'image fidèle, oui ou non? La mission de compilation. La mission de compilation, vous n'allez pas faire des investigations pour savoir est-ce que les chiffres sont vrais ou faux. Il va vous ramener des pièces justificatives, beaucoup de factures, vous allez les trier, vous allez les saisir, vous allez les entrer dans le système et vous allez établir un comment dirais-je, des états financiers sur la base d'une compilation des informations que le client il vous a fournies. Donc, sans se casser la tête pour vérifier est-ce que ce chiffre-là est vrai ou non, cette facture-là est vraie ou non. Est-ce que vous n'avez pas posé des questions sur les procédures mises en place, qui est des procédures qui respectent les normes de comptabilité, etc., etc. Donc, c'est ça les trois missions. Donc, les trois missions, CPA auditeur, il peut les faire toutes les trois. Ces missions-là, il peut les faire toutes les trois, le CPA auditeur. Les autres CPA, qui n'ont pas le titre CPA auditeur, juste CPA, parfois on les appelle CPA entreprise, ils ne peuvent pas faire la mission d'audit. C'est un champ exclusivement réservé aux CPA auditeurs. Mais ils peuvent faire les deux autres missions. Tout ça, vous allez le voir en détail dans le cours de contrôle interne et vérification que vous aurez, je crois, la prochaine étape. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on avance un peu?